grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à la célébration eucharistique de ce 14e dimanche. La liturgie de ce jour va nous décrire le portrait des serviteurs de Dieu et les difficultés liées à leur mission. Mais dans cette mission qui est la nôtre aujourd'hui, comme pour Paul, notre force réside dans le Seigneur qui nous dit et qui a dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant nos péchés et implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La mission d'un prophète est d'annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, qu'on l'écoute ou pas, c'est ce que montre le prophète Ézéchiel dans son livre au chapitre 2, les versets 2 à 5. Lecture du livre d'Ézéchiel. L'Esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j'entendis le Seigneur qui me parlait ainsi. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie, et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils aient ou qu'ils s'y refusent, car c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur.
Face aux nombreuses difficultés rencontrées au cours de son apostolat, l'apôtre Paul découvre en lui la puissance de celui qui agit dans sa faiblesse. Écoutons cette lecture dans son second livre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Frères, j'ai reçu des révélations tellement exceptionnelles que pour m'éviter tout orgueil, j'ai dans ma chair une écharde. Un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'éviter tout orgueil. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je n'hésiterai donc pas à me montrer fière de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Sa lumière et nous connaîtrons l'unique espérance offerte par son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus part pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués
à cause de lui. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et là, il ne put accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonnait de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Aksemio, toutes trois lectures, liturgie, 14e dimanche, ça a proposé nous parler sous serviteur bon Dieu, sous messager bon Dieu, monde qui dans service bon Dieu, monde sayo qui en pile foi, à travail et dans conditions difficiles, yo traversé en pile épreuve. En pile persécution. Puis mal, yo kon passe yo na bêtise, na risib. Tout ça, peut-être, bon Dieu, y a servi ya. Mais moun sa yo, ka passe yo na bêtise, ka fait yo souffrir, blie que ce même bon Dieu ça, ka délivré yo. Bon Dieu, m'a servi ya. Bon Dieu m'a servi, c'est lui qui a délivré. Et premier morceau la Bible, je dis, c'est un extrait de la vocation du prophète Ézéchiel. Une mission qui n'est pas du tout facile, et Jean nous tout connaît. Mission, lui comme prophète, c'est annoncer et puis dénoncer. Annoncer un message qui sortit contre bon Dieu et puis dénoncer mal péché peuple là, dénoncer mal qu'a rongé société ya. Mission yon prophète qui c'est mission tout chrétien, parce que depuis jour baptême nous c'est prêtres, prophètes et rois, c'est parler parole vérité ya. Mais comme nous connaissons tout vérité, ce n'est pas tout le monde qui fait plaisir. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Et peut-être ça, il a été déporté, prophète Ézéchiel, en exil, ensemble avec tout l'autre leader peuple Israël. Et c'est là, en exil, à Babylone, que bon Dieu a brûlé pour voyer le côté peuple, pour inviter à la conversion. Yon peuple, yon qualifié le texte là de rebelle. Yon peuple tête dure. Comme chrétien, comme partisan Jésus-Christ, c'est prophète nous yé. Et c'est ça nous devons yé dans la communauté nous, dans la famille nous yo, dans l'institution nous yo, côté dans le travail, dans le voisinage nous, dans le quartier nous. Tout côté nous yé, tout côté nous passé. Nous devons montrer et nous devons voir que c'est chrétien nous y est. Nous c'est celle de la terre qui doit bailler goût. Nous c'est lumière monde là qui doit éclairer toute zone fait noire nous y Puis gros problème nous, c'est une question de cohérence dans la vie nous. Nous pas toujours cohérents avec la vie nous comme chrétiens. C'est comme si il y a des moments dans la vie nous qu'on suspend ou nous choisit pas agir comme chrétien. On voit simplement quantité contre témoignage qui gagnait, quantité scandale, corruption, injustice qui gagnait, quantité situation difficile
côté ces chrétiens eux-mêmes qui complissent en nous et ta pays, nous, pour nous dire, nous, ces chrétiens, côté nous, écoutez la foi, nous. Ces prophètes nous y est, et nous pas de peur parler vérité, ya. C'est pour nous cohérent avec la vie, nous, comme chrétiens, mais aussi pour bien tout frère accès nous, yo, pour avancement société, nous, hein. C'est mission ça, bon Dieu, ban nous. Quitte yo tende, quitte yo pas tende, y'a connaît au moins que t'es gagné un prophète nan mi-temps, yo. Y'a connaît que bon Dieu a continué à parler avec yo pour inviter yo sans cesse à la conversion. Bon Dieu, rete fidèle. Malgré toute infidélité, nous yo, malgré tout égarement, nous yo, malgré toutes les fois, nous qu'on virait d'eau, Bali. Tu es le Dieu fidèle. Une certitude, c'est que quand le Seigneur nous envoie en mission, quand il nous confie une mission, il nous donne toujours la force nécessaire de l'accomplir. Son esprit nous dévance, nous éclaire, et c'est lui qui prépare déjà le cœur de ceux et celles qui vont recevoir notre message, son message de vie. Force ça, apôtre Paul t'expérimente na faiblesse li. Et dans lettre li pour Corinthiens aujourd'hui, li décrit nous na qui condition li qu'on fait apostolat li. C'est des conditions qui en pile fois difficiles. Li te qu'on prend humiliation tant qu'on pile nan nous. Yo te qu'on jouerel. Il te qu'on persécutel, il te qu'on manquer force, santé li pas qu'on bon. En pile fois, il te qu'on demander bon Dieu pour lui confier mission ça, yon lot. Il te qu'on dit même gens avec nous, moi pas capable encore. Il te qu'on dit même gens avec psalmiste là dans psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qui ça ou la game, pour qui ça ou livré nan même méchant yo. Mais c'est dans même moment ça, les jeunes réponses grand maître là, qui seyon assurance pour nous matin. Ma grâce te suffit, faveur moins compte pour vous. Paul découvre donc que la puissance de Dieu agit dans sa faiblesse. Et il est important, je ne jodi a, pour nous gagner certitude ça, que bon Dieu avec nous, il a agi pour nous et en faveur nous. Il est avec nous dans tout ça, n'a fait de bien et dans non li. Certitude que il est avec nous et que pas rien qu'a ébranlé nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si alors c'est bon Dieu qui a agi, ça n'a réalisé, c'est dans non li. Pour Paul, c'est clair. Nous ne devons pas mettre trop l'orgueil sur la tête, nous. Nous ne devons pas surestimer la tête, nous. Au contraire, c'est pour nous gagner en pile, humilité dans tout ça qu'on a fait pour lui, pour frère action nous, dans non lui. Pour l'orgueil, pas prendre tête moins, il te fourré, il piquant dans comme, c'est un ange Satan, il te mette pour frapper. Pour l'oreille pas monter dans la tête moins. Paul t'a expérimenté combien force Jésus-Christ a continué à agir dans tout silayo qui n'a service li, dans service maman et qui fait confiance net à lui. Peut-être ça, il est capable de dire, j'accepte de grand que pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais en ne pas chercher, mettez-nous la condition, nous faibles, pour ne pas tomber. Même si nous comptons, nous connaissons que force Jésus-Christ est là avec nous, nous capables d'éviter. Les nous connaissons que nous n'avons pas de force et que nous capables de tomber. Et dans l'évangile, nous voyons Jésus-Christ qui confrontait au manque de la foi
des gens de son village. Li sont annoncé yo que l'esprit bon Dieu reposait sous lui. Li voyait l'annoncer bonne nouvelle là pour pauvre yo. Mais pour mon Nazareth yo, yo pas qu'à recevoir Jean parole ça yo. C'est en cours, il a dit et nous qu'on fait le tour pour qui est-ce la prend tête li. Nous te wel grandi, c'est pas petite charpentier ya. Ça li veut faire nous quoi là. C'est autant de questions nous conserver pour juger frère accès nous yo, pour minimiser yo, pour nous pas reconnaître valeur yo, pour nous pas reconnaître ça yo capable, pour nous pas reconnaître potentialité yo. Et au lieu nous bien servir avec yo, au lieu nous dire bon Dieu merci pour ça yo, c'est détruit quelquefois n'a cherché détruit yo par jalousie. C'est mettre, n'a cherché mettre yo dehors, loin et hors d'état de nuire. Devant ce refus, nous dit l'évangile, Jésus est parti vers les villages voisins. Problème, auditeur Jésus, yo, qui quelquefois ce problème nous tout, c'est parce que yo t'es enfermé dans la certitude avec la tradition yo. Yo habitué à ça yo toujours ouais. Yo habitué à ça yo toujours fait. Mais la foi nous en bon Dieu, c'est pas d'abord une question de connaissance ou de savoir ou de science, mais c'est arriver répondre à la question ça. Qui est-ce Jésus-Christ pour moi? Qui est-ce Jésus-Christ pour nous? Question fondamentale qui traversait tout l'évangile de Marc. Et réponse, nous joignons l'île à bouche, centurion au calvaire. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Vraiment, c'est petit bon Dieu lié. Même Jean avec prophète Ézéchiel, même Jean avec apôtre Paul, nous conscients de faiblesse nous yo. Nous reconnaître ces mondes faibles nous y est, mais grand-mère là compter sur nous malgré limite nous yo, pour nous tourner des témoins vivants de son évangile. Malgré humiliation, rejet, à toute qualité, persécution, nous capables de rencontrer sur route ça. C'est pour ne pas jamais décourager ni abandonner mission ça. Bon Dieu lui-même, confiez-nous depuis le jour, baptême-nous. C'est pour ne pas jamais manquer la grâce, la faveur dans la vie, nous. Au nom de Papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Et à présent, chers frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout et ensemble nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ma grâce te suffit. Avec cette assurance que nous avons, que le Seigneur agit dans notre vie avec confiance, présentons-lui nos intentions de prière pour les besoins de son Église, pour les besoins de notre pays, de notre famille, pour les besoins
de tous nos frères et sœurs qui souffrent et qui implorent sa grâce. Après chaque intention, nous chanterons. Sainte Église ainsi que ses responsables, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres qui ont reçu la mission prophétique d'annoncer ta parole, afin que ton esprit leur donne force et confiance. Exauce notre prière, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations, spécialement ici en Haïti, afin que ton esprit leur donne sagesse et justice. Exauce notre prière, Seigneur. Pour tous les malades, les blessés de la vie et les personnes isolées ou abandonnées des leurs, afin que ton esprit leur donne courage et persévérance, exauce notre prière, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, nous tous ici rassemblés et toutes les personnes qui suivent cette messe sur les réseaux sociaux, afin que ton esprit nous donne charité et unité. Exauce notre prière, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
bénéfice de toute l'Église. Et la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy Mésidor et tous ceux, toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, sur nos bienfaiteurs, sur nos familles, sur nos frères et sœurs malades en difficulté, sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire ensemble cette belle prière que nous avons reçue de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre Église, à notre pays Haïti, donne la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, à travers les gestes appropriés, partageons la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de celui-ci. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Amen. Prière pouvant accompagner une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire vous posséder dans mon âme. Puisque je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement, venez spirituellement dans mon cœur. Je m'unis entièrement à vous comme vous possédant en effet. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Manger encore Jésus.
Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions les fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, bonjour. Nous avons aujourd'hui messe de 6 heures. Huit heures, 9h30 et 4h p.m. Nous remercions tous ceux qui nous ont permis de bien savourer cette messe maintenant. Nous remercions le Père qui a célébré pour nous. Nous lui disons un grand merci. Nous remercions tous ceux qui l'accompagnent. Nous remercions les enfants de chœur. Nous remercions la chorale, les musiciens. Nous remercions les personnes qui ont fait la lecture. Nous remercions les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et nous vous remercions, vous qui avez fait votre présence aujourd'hui pour nous aider à bien animer cette messe. Nous disons merci à tout le monde. Je vous invite à vous mettre debout et vous disposer pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et prenez soin de vous. Beaucoup de précautions ce mauvais temps. Merci mon Père, à vous de même.